Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Neverending Nightmare. On se retrouve donc pour le dernier épisode, hein. Normalement c'est le dernier, puisqu'il ne reste plus qu'une branche à parcourir. Une branche et c'est terminé. Une branche et c'est la fin. La fin, oui, la fin, puisque nous aurons vu les trois fins. Mais encore faut-il que je trouve. Alors on va continuer ici. Je vais peut-être passer tout ce que vous avez vu parce que la dernière fois c'était chiant. Je sais pas pour vous, bon c'était très bien hein, parce que vous pouviez passer. Mais j'aimerais bien qu'il n'y ait pas besoin de passer en fait. Bonjour ma soeur, ça va? Parce que tu as fait des cochonneries avec ta sœur. C'est pas dégueulasse, hein? Mais si, j'ai une sœur. Ah, dans le jeu, pardon. Pardon. Ah oui, bah du coup, vous savez que j'ai une sœur. Oh, le mystère de ma personne s'éclaircit. D'ailleurs, en parlant d'éclaircir, si on prenait la lampe. Voilà. Prends-la directement. Ok. Il était pas censé ne pas faire noir ici à ce moment-là. Si. Je me rappelle plus. Si peut-être en fait, je sais plus. Voilà. Bon bah peut-être que ça je le passerai. On verra. On verra si ça prend du temps ou pas. Si ça va vite. Ah voilà, moi et ma soeur. Qui n'est pas ma soeur du coup, qui est ma femme. C'est glauque. Déjà, vu comme je le regarde, c'est déjà très glauque. Allez, on avance. Je me rappelle pas avoir pris la lumière, en fait, de moi-même. Ah, ça y est, je commence déjà à avoir des palpitations, là. Ça y est, ça avance, ça commence. Là, direct d'entrée de jeu, j'arrive, il y a les palpitations. Bonjour, bonjour. Donc là, on va jusqu'à la cuisine, hein, si je me rappelle bien. Jusqu'à la cuisine, et après, je m'étais perdu, je crois. On descend. Oui, après on se retrouve totalement dans le noir. Et je suis allé dans le trou là où il fallait pas. Enfin, je pense, hein. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est au niveau du trou qu'il fallait pas que j'aille. Salut! Alors, le gars il dit bonjour à une horloge, c'est normal, hein. Tout à fait normal. Je dis bonjour à tout maintenant. Je commence vraiment à flipper. Allez. Bah, c'est déjà là la cuisine? Ah oui, c'est déjà là la cuisine. Il me semblait pas que c'était aussi près. C'était aussi près? Bon, bah, tant mieux, hein, écoute. Voilà, et là, on va se perdre. C'est marrant, j'ai des petites baisses de FPS là d'un coup, mais à chaque fois. Genre, je passe de 60 à 30 d'un coup. Pas savoir pourquoi. Ah, ça y est, les poupées, ça arrive. Ça commence. Le cauchemar commence. Je peux pas courir dans les escaliers? Non, mais parce que moi, je cours dans les escaliers, tu vois. Je me fatigue pas pour autant. Allez, on va pas aller par là. On va aller le plus loin possible. On va éviter les portes qu'il faut pas, hein. Ah, la fameuse chambre. La chambre de l'infini. Ouais, bonjour. On va voir jusqu'où on peut aller comme ça. Ouais, bonjour. J'ai déjà fait cette blague aussi, putain. Du coup, toutes mes blagues se ressemblent, hein, excusez-moi. Je manque d'originalité au niveau des blagues. Il faut vraiment que ce soit... Bah, ça y est, c'est bon, on a compris. Ah ah! Ah non, mais en fait, c'est pas à l'infini. À un moment, ça s'arrête vraiment.
Genre la dernière fois j'avais fait demi-tour, il n'y avait pas besoin de faire demi-tour en fait. Est-ce que... Merde, je me rappelle plus. Ouais, non, à mon avis c'est par là. Hein. Je sais plus. Mais... C'est pas grave, on va faire demi-tour. De toute façon, c'est pas sûr que c'est filmé. C'est suspense. Vous verrez cette action ou pas, hein, comme dans les précédents épisodes. Enfin, le précédent épisode, puisque je l'ai pas fait dans les autres épisodes, juste dans celui d'avant. Ah oui, voilà. Ah putain, il m'a fait peur encore celui-là. Putain. Ah ah, la porte. Il n'y a rien. Ah oui, là c'est si je meurs. Si je meurs, j'arrive ici. Hein. Parce que là, il y a madame. Bah, elle arrive. Il y a madame ma soeur là qui m'attend. Je sais que tu es là. Je le sais. Je le sais. Ah, c'est bon, elle est partie. Ça commence. On va pas faire les mêmes erreurs que la dernière fois. Hein, cette fois-ci, je sais comment ça marche. Et de suite, ça va beaucoup plus vite. Hein. Allez, bonjour. Où elle est, ma petite sœur? Ou ma femme jeune? Du coup, ouais, je sais pas quoi dire. Hein. Merde, elle est encore là. C'est bon, elle est plus. Calme-toi, tout va bien se passer. Tu as déjà vécu ça. Tu ne devrais pas avoir peur. Tu veux pas lâcher ton truc là? Oh putain, j'avais oublié ça. La petite main en bas. Allez, qu'on arrive direct dans le noir, que ça pète un peu là, non? Bonjour. Je dis bonjour parce que ça me rassure. Hein. Vous inquiétez pas, si je dis beaucoup bonjour, c'est uniquement parce que ça me rassure, ok? Laissez-moi dire bonjour. 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 Non, non, te fatigue pas maintenant. Allô? Bon, elle est partie. Et merde! Du coup, voilà, je suis stressé, je fais n'importe quoi. J'entends un poisson. Ou des bulles, je sais pas. Ok. Ça va, n'aie pas peur. Tu vois bien que t'es dans une maison, tout ce qu'il y a de plus normal. N'est-ce pas? Donc là, ça doit être si je meurs, à mon avis. Voilà. C'est bon, je commence à comprendre le truc. À la fin du jeu, c'est déjà bien. J'entends une voix. Ah là, c'est la double sœur, non? Je crois que c'est la double sœur, ouais. Avance doucement. Hop là! Hop là! La double sœur, voilà. Je savais que tu étais là! Bah bizarrement, je flippe quand même à l'idée de plus avoir la lampe, déjà. C'est bientôt, ça va arriver. Ah, bah voilà. Ça y est. Ah, mais il la garde quand même à la main, on dirait. Je sais même pas si je l'ai pas déjà dit, en fait.
Bon, on va aller avancer doucement par contre. Hein. Avançons doucement. Calmement. Sans nous précipiter. Bonjour. Eh, deux fois je me suis fait avoir. Putain, je me fais avoir à chaque fois quoi. Ça y est, on est rentré dans une porte là. On avance, on avance. Hop là, non? C'est bon, elle y est plus. Calmement, je vous laisse apprécier le silence. Ou plutôt le bruit de mes pas, hein, parce que le silence, pas tant que ça. Bon, là, on va voir arriver. Voilà, je le savais. Je le savais. Il va y en avoir un autre. Il est où? Chut, tais-toi. Arrête de pleurer. Pourquoi tu pleures? Pourquoi elle pleure, la madame? Doucement. Doucement. Ah, ah oui. C'est tellement glauque. Là, il y avait une porte. Est-ce que c'est celle-là que j'avais pris? Oui, c'est celle-là que j'avais pris. Et donc, c'est celle-là qu'il ne faut pas que je prenne. Donc on va continuer le chemin. What? What? Oh mon dieu! Oh ma gueule, j'ai essayé de m'enfuir. Bon, ben je pense que c'était le bon chemin cette fois-ci. Au moins... Je suis rassuré, on n'est plus dans le noir. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Oh là là. T'as de retour dans cette maison en plus. Ah, je sais où ça mène par là. Et après, il y a une autre porte. Et ça mène à cette autre porte. Voilà. Ça mène ici. Chose que je ne vais pas faire. Hein. Du coup, on va gagner du temps. Parce que le temps, c'est de l'argent. Et moi, j'adore l'argent. Non? T'es pas sérieux, là? Il y aura les gros bébés. J'aime pas les gros bébés. Tu vois, ça, c'était l'armoire de prévention. Le truc... Oh, putain. La chambre, si on meurt, à mon avis. Allez. C'était l'armoire pour prévenir que... Oh putain... J'aime pas les gros bébés. Ouh, t'as une sale tête, toi. Bonjour! Tu as de grosses lèvres. Ah, mais que tu as un gros nez. C'est pour mieux te renifler, mon enfant. Ils sont où les gros bébés? Il n'y a pas eu de gros bébés jusqu'à maintenant. Tant mieux, tant mieux. Moins il y a de gros bébés, mieux je me porte. Je le sens pas là. Pourquoi cette pièce est aussi grande? Elle est trop grande à mon goût. Pourquoi ça arrive directement dehors? What the fuck? Et du coup, l'armoire, en fait, il servait strictement à rien. Moi, finalement, j'aime bien dehors. Oh, ma soeur qui est pendue, bonjour. C'est le mec tout à fait normal. Je l'ai vu tellement de fois pendue, cette soeur, que ça... Ah, encore! Bonjour! Ah, du coup, même mon personnage, hein, il a compris que... Fallait pas s'attarder là-dessus. Regardez-moi ça! Elle est pendue de partout. 36 fois elle est pendue.
Par contre, j'entends un bruit bizarre derrière moi, ça me... Et l'arbre, il va pas me choper, là, j'espère. Non. On rentre dans une grotte. Je me dis... Non, t'es sérieux, là, une grotte avec des escaliers, en plus. C'est une grotte à la Minecraft, quoi. Mais va pas dans cette grotte, t'es fou, toi. What? Carrément, on se ramène dans la maison. C'est le raccourci. Ah, notre bonne vieille mariée. Salut. Ok. Bah celle-là, elle a rien à dire. Hein. Elle cligne pas des yeux, y a rien. Bah du coup, il peut y avoir les gros bébés encore. Fais chier. Une porte. Allons dans la porte. Ok, il n'y a rien. Je me sens sauvé à chaque porte. Une autre porte. Par contre, celle-là me sauve pas. Elle m'emmène vers le côté obscur du jeu. Ça va, tranquille, toi, tu te fais masser pendant que moi, je flippe à mort. Oula, des bouts de verre. Bien, bien, par où passer, je ne sais pas. Allez. Aïe, 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 aïe. Ah, même pas mal. Allez, comme j'ai pas mal, eh ben, je vais courir. Ça va, je fais des traces par terre, c'est cool. Toi au moins t'as les pieds en l'air et t'évites les morceaux de verre, ok? Alors te plains pas. Oula. Ça ne m'inspire pas confiance tout ça. D'accord. Bon ben vous voyez ce lit, vous allez me revoir dans pas longtemps à mon avis. Hein. Ah non, peut-être pas en fait. Peut-être pas. Ou peut-être que si. Bon, économise tes forces par contre, parce que... Hop. Merde, il m'a entendu. Non, 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 non. Bon, ben, qu'est-ce que je vous disais? Vous alliez me voir dans pas longtemps. Oh, merde. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait lui, en fait. Genre, qu'est-ce qu'il fout là? Il s'est échappé de l'hôpital psychiatrique, l'enfoiré. Prends un couteau ou une hache, j'en sais rien. La hache du début, on peut pas la prendre, j'ai envie d'assassiner des gens, moi. J'ai pas envie de me faire assassiner. Allez, va doucement. Je ne suis pas là. Je suis pas là. Voilà. C'est bon, je suis passé. Et là, ils vont me demander de courir, non? Non, même pas. On va voir tous les méchants du début, non? Je me pose plein de questions comme ça. Hein. J'ai pas envie de voir la suite, moi. J'ai envie de me poser plein de questions avant que ça arrive. Parce que je reste dans le dubitatif, tu vois. Tu vois. Ah, le cimetière dans la maison. Mais c'est n'importe quoi. Je me suis jamais senti autant rassuré que qu'en étant dans un cimetière, quoi. Le cimetière est plus rassurant que toute que la maison et tout le reste. Hein. Oh, finalement, c'est pas si rassurant que ça. Eh, t'as oublié ton parachute. Il pleut des dames. Oh mon dieu. Avançons, avançons. J'espère qu'il va pas pleuvoir d'autres dames parce que... Wouah! Eh, ma soeur, elle a le don pour mourir. En plus, elle meurt de la même façon, mais... Ouais, bien sûr, va dans les catacombes. Va dans les catacombes, tu as raison. Ah, mais mon dieu, mais arrêtez, arrêtez-moi ça, arrêtez! S'il vous plaît! Et là, il y en a une autre qui tombe dans les escaliers. Ah mais je te jure. Oh, je transpire comme un malade. Ah, du sang. J'aime le sang.
Ok. Allons dans la porte. Non, pas les poupées. Pas les poupées, s'il vous plaît, pas les poupées. Bonjour. Voilà, voilà, là je me rassure en disant bonjour. Bon, y a une porte, alors je m'autorise à courir. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Et là, je vais me réveiller dans la salle de bain. Hein. Non. Oh mon dieu. Eh, je m'y ferai jamais à cette ambiance. Heureusement que c'est bientôt fini parce que j'en peux plus là. Ah ah! Non, y a rien. Eh, on boit un verre? Ouais, t'as l'air d'un gagnant, toi. Au moins, tu fais pas flipper. D'accord, qu'est-ce qu'il y a dans cette porte? Ok, 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 je le sens mal, je le sens mal. Quand il y a des pièces comme ça, tout seul, c'est souvent mauvais signe. Doucement, calme-toi, n'aie pas peur. Tu peux finir ce jeu, tu peux le finir. Non, tu ne peux pas. Non, 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 non. Elle est encore là? Voilà. Si, tu peux le finir, du coup. Parce que bon... Putain, ça me fait flipper. Bordel, bordel, bordel! C'est quoi cette musique? Elle s'emballe! Eh, t'emballe pas, t'emballe pas! J'ai bientôt fini le jeu, alors arrête! Arrête-toi, s'il te plaît! Oh mon dieu! Allez, avance! J'ai jamais autant juré de toute ma vie! La la la, chantons, dansons! Ok, je le sens mal. On va s'écarter le plus possible. Cas où il y a quelqu'un qui a entendu, non? Personne? Bon, tout va bien alors. Je peux saigner en paix. Saigner des pieds en pied. En paix. C'est dur à dire ça. Allez, on y est presque, les gars, on y est presque. Et les meufs? Il n'y a pas que des gars qui me regardent, j'espère. Ok! Alors le mur, là, me dit « Cours !» Voilà. J'en étais sûr. Vas-y, dépêche-toi. Ouf, il peut pas passer. Oh mon dieu. Oh. J'aime pas les bébés, j'aime pas les bébés, j'aime pas les bébés, j'aime pas les bébés. Je ne ferai plus jamais d'enfant de ma vie. J'en ai jamais fait, mais j'en ferai plus jamais. Tous ceux que j'ai pu faire dans une vie antérieure qui crèvent. Ils meurent de suite. Mais comment il a pu gicler jusqu'en haut là? Le du sang, hein, pas gicler. Oh, d'ailleurs, s'il gicle du sang, ça fait peur un peu. Ouh, ça c'est du sang pas très commode. Hein, ça c'est. Ça c'est au moins de l'ép... Le gars il s'est fait étriper au moins. Hein. Bah, d'ailleurs, il y a ses tripes ici, voilà. Sympathique, sympathique. J'adore la déco. Ok, 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 on avance, bon, on avance, allez, avance, 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 vite, vite, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Oh, une poupée. Qu'est-ce que c'est?
Ok, il n'y a rien. Et là, elle va se mettre à bouger, non? Non, même pas. Heureusement. C'était de l'ours en peluche. Oh putain. Non! T'es pas sérieux là? Si, t'es sérieux. T'es sérieux, il y a de plus en plus pou... Ah! What? Mais t'es dégueulasse, tu t'auto-manges les tripes! Ah, mais c'est gore! Vous croyez qu'elle va me sauter dessus? Même pas, elle me voit. Elle s'en bat les couilles de moi. Laisse-moi manger mes tripes tranquille! ok. Waouh, la main des poupées. Ok. Doucement, doucement. Là, je sens qu'il y en a une qui va m'attraper, cette salope. Ah, t'es sûr? Mon dieu. Saloperie. S'il vous plaît. Arrêtez-moi ce carnage. Je me retire à ma maison. S'il vous plaît. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. C'est Cartman avec des bagues. Oh, sympathique. Ah, c'est... Ah ouais. Ouais, sympa, j'adore. J'adore le Joker, la nouvelle apparence du Joker. Franchement, bien. Le nouveau Batman promet d'être génial. Ok, on fait un billard ? Elle est longue, la table. Oh là là. Et je commence à trembler de partout, là. C'est quoi ce bordel ? Oh, sympathique. Elle est encore morte. Oh, encore morte. Ah, mais il lui manque un... Ah, mais c'est... C'est dégueulasse. Il lui manque toute une jambe. Oh, c'est gore. Ah, par contre, voilà, ils la remettent dans différentes positions. Ok, il y en a de plus en plus. Ouais, c'est ça. Ah, tiens, j'ai retrouvé ton bras. Si tu l'avais perdu. Oula, les longs escaliers. Ah, welcome. Enfin quelqu'un qui est sympathique dans cette maison. Oh là là. Je commençais à désespérer. Entre ma soeur qui meurt à chaque fois et qui fait ma psy et qui couche avec moi. Et pourquoi c'est rouge? Ah, je suis dans un cerveau. Bien. C'est un œil ou un cerveau? Ah, mais c'est dégueulasse. Mais pourquoi tu te mets en position fœtus là? Qu'est-ce que tu fais? Dear Thomas, I'm leaving you. I'm sorry. You can't talk me out of it. I still love you, but I just can't be with you anymore. Losing our daughter was hard on me too, yet I'm trying to move on. Your life didn't end, so why can't you live it? I hope you can get past this tragedy eventually, I really do. I guess this is goodbye. Love, Gabrielle. Après tout ce que t'as vécu là, tu peux pas chialer pour ça, je suis désolé. D'accord, donc en fait, c'est bien notre femme et la petite n'est pas notre sœur mais notre fille. Tout se suit. Et donc voilà, cette fois-ci c'est terminé pour de bon. Mais quand je dis terminé pour de bon, ça veut dire terminé, terminé. Il n'y aura plus de série sur ce fichu jeu. J'arrête là et je crois que je ferai pas de jeu d'horreur avant un petit moment. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Hein, c'est super sympa à vous. Voilà, bon. J'espère que vous ferez partager cette série à beaucoup de monde. Et
J'espère vous voir dans d'autres séries parce que, bah, évidemment, j'en fais d'autres. Hein. Je vais pas m'arrêter sur cette simple série. Et je vais aller en m'améliorant, je vous le promets. En tout cas, merci encore. Et bisous à tous. Bye bye.